Christian Philibert, le réalisateur des 4 saisons d'Espigoule, a réussi à produire son documentaire sur le groupe Massilia Sound System à Nîmes. Les admirateurs du groupe sont venus nombreux pour une projection à guichet fermé. Voici les premières images. Massilia Sound System. C'est bon là ou bien tu veux quoi? Des délais. On n'est pas rentré dans Massilia pour faire carrière, c'est plutôt la vie que ça nous offrait qui nous a attirés. Papé et Moussu, c'est pas des partenaires, c'est le mot, il n'existe pas, tu vois, c'est entre père, frère, ami. C'est la fondation de la réflexion sur l'identité marseillaise. Ça c'est bien, il a bien parlé, c'était un frère. Fier du film, fier du public. On espère que le public va continuer à être au rendez-vous, va être de plus en plus nombreux, que le bouche à oreille va se créer autour du film. Je crois qu'il a vraiment, il en vaut la peine. Franchement, je crois qu'on a réussi un beau film musical, quoi, je crois. Et moi-même, en le découvrant en salle ou lors des projections en plein air, comme ça, j'ai été soufflé, quoi, par la puissance du film, du son de Massilia. Et ce qui est bien avec Massilia aussi, c'est que c'est vraiment le groupe intergénérationnel. La liberté, le partage et les amis. C'est la province. L'Occitanie, c'est la Yoni. Et le pastis. Massilia, c'est le pastis. On a commencé le film en octobre 2014, alors qu'ils étaient en résidence à Perpignan. Après, on les a accompagnés à Marseille, où ils ont fêté leur anniversaire, on les a accompagnés à Paris, et on a filmé après des manifestations de la Tchourme, des hommages à Lux B, parce que le film rend aussi hommage à Lux. On a filmé tous leurs projets parallèles, Y-Star, Moussuté les Jouvins, les Sound System du Papé, et puis le film se termine en beauté avec la tournée de l'été 2015. Number one. C'est la même du son dans la ville, quoi. C'est ça qui manque, c'est ça qu'ils ont apporté, c'est ça qui a disparu. Faire la fête, improviser, dans la rue, sans poser de questions, sans mettre le why. J'écoute depuis toute petite, et puis mais qu'elle est bleue, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. Kansu neto farae, venka mission gonflant. C'est l'esprit, c'est... C'est un état d'esprit, c'est une façon d'être, c'est tout ça, quoi. Même à Pompée, ils ont tenté de nous tester. Avant de tomber, ils criaient Massilia Namasté. Les Bretons et les Ch'tis ont fini écarlate. Même les Brésiliens sont repartis à quatre pattes. C'est les leaders. C'est les leaders incontestés. Un raga occitan marseillais, je pense qu'on est les premiers. Ça fait pas de problème. C'était légitime de faire un film sur eux et c'est même pas d'aller promouvoir, parce qu'ils n'ont pas besoin de ça, mais de leur rendre hommage. Il y a à la fois le contenu et le contenant, c'est-à-dire que c'est à la fois. Donc il y a les propos qui sont très pertinents de tout ce qui est dit, comme vous avez pu nous dire cet après-midi qui prolonge votre pensée, et en même temps la manière de filmer, c'est-à-dire que il y a une beauté de l'image dans la manière de filmer la scène. Qui est très bien, vous gardez une dynamique en même temps dans la partie un peu vie quotidienne, la partie de pétanque à Chanac, par exemple. Donc il y a tout ça, il y a ce jeu, ce travail sur les lumières avec, en concert, et cette manière de le filmer, parce que c'est difficile à filmer, qui est très belle. Et puis après, je veux aussi vous remercier parce que vous êtes venu dans le village de ma mère, à Chanac, pour le Festival des Tours du Monde. Donc on a toujours, je savais que vous aviez filmé, que ça a été filmé, mais on a toujours la... On ne sait pas dans un film si on ne peut pas être coupé au montage, donc on vous remercie. On a réussi à créer une relation de confiance. La confiance, c'est vraiment la base de mon cinéma. Si elle est brisée, tout s'effondre. Et ça, je le savais. Je l'ai. Bon, en même temps, il y a une vraie intelligence collective dans ce groupe. Ils sont. C'est pas pour rien qu'il a réussi à durer. Parce qu'ils sont tous quand même très différents. Ils ne partagent pas toujours les mêmes idées.
et pourtant il tient, le groupe tient, c'est-à-dire ils savent faire des concessions. Ça va qu'ils ont leur groupe à côté, personnel, où ils font vraiment ce qu'ils veulent, où ils sont maîtres à bord. Dans Massilia, c'est forcément un peu plus compliqué. Mais bon, voilà, ça a quand même été une belle aventure. Il n'y a pas eu de heurts entre nous à aucun moment.